Allô tout le monde, ici Thomas Bourgault et on est présentement à la bibliothèque de Pont-Rouge où depuis 3 mois, une fois par mois, le samedi, se déroule le Club Lego. Le Club Lego, c'est un club où les enfants et les parents peuvent venir pour faire des Lego, passer du temps en famille, interagir et surtout user de créativité. On s'en va leur parler. Rousseau, vous êtes l'organisateur de ce qu'on assiste présentement, l'activité Lego. Il se passe quoi aujourd'hui exactement? Bien, en fait, on a commencé un club Lego parce qu'on voulait que les jeunes s'amusent avec des Lego. Et on fait des constructions, mais en fait, on a des thématiques. Donc, les jeunes viennent, c'est complètement gratuit. Et on a à chaque fois un thème différent. Et là, on peut construire, les jeunes vont avec leur imagination et construisent quelque chose sur la thématique qu'on leur donne. Et c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les jeux de société. Donc, différents jeux. Donc, des labyrinthes, des jeux où justement, ils vont lancer des dés, des choses comme ça. Donc, chacun, on avait des plaques avec lesquelles les jeunes pouvaient créer des jeux. Il y a un jeu d'échecs qui s'est construit et ainsi de suite. On avait eu déjà par le passé un pont qu'on avait fait et une catapulte aussi qui avait été faite. Les Lego, on peut en faire partout, on peut en faire à la maison, c'est très, très populaire. C'est quoi l'avantage de venir ici à la bibliothèque de Pont-Rouge pour en faire, justement? Bien, en fait, la bibliothèque s'est beaucoup diversifiée au cours des 2 dernières années. La bibliothèque de Pont-Rouge a évolué, je pourrais dire. On a un concept qui est bibliothèquement. Donc, on amène les gens pour autre chose. Bien, souvent, ils repartent avec des livres aussi. Donc, on amène les gens pour une activité et à la fin, bien, ils quittent avec des livres. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et bien, tout ça rentre pour nous dans tout ce qui est culturel. Donc, construire quelque chose, c'est d'essayer de développer l'imagination des enfants. Un livre, c'est de l'imagination. Donc, tout ça vient faire une espèce d'amalgame et on en profite à ce moment-là. C'est important pour la créativité des enfants aussi. Oui. On développe plusieurs activités, justement, au niveau de la création. On a le club de codage aussi qui roule actuellement, où justement, on crée au niveau numérique. On a fait à la Journée de la culture, c'était du pixel art. Vous étiez venu filmer. On avait fait justement de la création. Et tout ça, souvent, on y va avec des thématiques qu'on retrouve dans les livres. Donc, les jeunes quittent aussi avec des livres. On a des livres sur les Lego. Donc, on reste dans le thème, puis je vous garantis que là, si vous en cherchez actuellement, il n'y en a plus disponibles. Ils sont tous sortis parce qu'il y a des jeunes qui les ont empruntés parce qu'ils sont venus justement faire des Lego. Et ça fait combien de temps que le Club Lego dure? En fait, c'est notre 3e mois. On fait une activité par mois. C'est à peu près ça. On veut pas aller à l'excès non plus. On a d'autres activités au travers. Donc, c'est notre troisième édition, si je pourrais dire. Donc, à chaque mois, on vient avec une nouvelle thématique. Et c'est toujours le samedi? C'est toujours un samedi après-midi, entre 1h et 3h. Donc, souvent, les gens ont déjà des activités le samedi matin, cours de karaté, cours de ci, cours de ça. Donc, on s'est dit, bon, mais l'après-midi, ça devient une plage intéressante si les gens veulent avoir une activité qui est gratuite, qui est offerte à tous. Donc, on se positionne comme ça à ce moment-là. Et ça offre une légère pause aux parents aussi, ce qui est relaxant. C'est de plus en plus rare hein, de nos jours. Bien, relaxant, oui, puis non, parce que les parents embarquent. Les parents embarquent beaucoup, ils embarquent dans la création. C'est intéressant de les voir participer justement aux différents projets. Il y en a quelques-uns qui s'installent justement pour lire. Alors, tout le monde en profite. En général, Sylvain, qui sont les plus créatifs, les parents ou les enfants? Les enfants. Oui. Est-ce que c'est une flèche aux parents ou c'est vraiment les enfants? Je suis parent, moi aussi, et bon, on devient plus cartésien à un moment donné, veut pas. Mais en même temps, quand on se met à créer avec l'enfant, ben là, à un moment donné, justement, nous aussi, on se libère. C'est un bon petit moment qu'on passe avec nos enfants. Vous parlez de créer avec l'enfant, de passer du temps avec sa progéniture. En quoi c'est important pour vous, Sylvain, d'organiser tout ça, de coordonner le tout aujourd'hui puis de donner de votre temps aux enfants? Bien, c'est très important. Je veux dire, on court tous, tout bas, tout côté. Moi, j'ai la chance de travailler près de la maison, donc je travaille dans mon milieu, donc c'est facile. J'ai ma fille qui peut revenir à la maison. Tandis que, bon, certains parents... J'ai déjà travaillé à Québec.
on se court après. Alors, quand on organise justement une activité comme ça, bien, les gens ont l'occasion de prendre un petit moment, un petit 2 heures. Et bien souvent, ça va se continuer à la maison par la suite. Je vous garantis que la plupart des jeunes qui sont là ce soir, ils vont sortir les Legos à la maison. Ils vont demander des Legos à leur anniversaire, à Noël. Bien oui, Noël s'en vient, c'est une bonne idée. Mais s'ils en ont déjà à la maison, je vous garantis qu'ils vont ressortir ce soir parce que justement, les jeunes vont continuer à créer. Donc, on fait juste tirer sur la crinque du moteur, puis par la suite, bien, ça y va tout seul. Et votre fille est là, vous l'avez mentionné, Sylvain. Oui, oui. Ça vous fait quoi de voir votre fille s'amuser, d'interagir aussi avec les autres enfants, d'autres parents? C'est ça qui est intéressant aussi. Ça vous fait quoi? Bien, ma fille participe à beaucoup, beaucoup d'événements de la bibliothèque. Donc, c'est une bénévole de l'ombre comme ma conjointe. Donc, souvent, il donne un coup de main. Mais c'est le fun, justement, de la voir créer, elle aussi. Encore là, elle aussi ramène les projets. Je vous garantis que ce soir, chez nous, il y a des blocs Lego. Votre maison est pleine de Lego. C'est sûr que le sous-sol a des Lego à grandeur, c'est sûr. Mais c'est comme ça, puis c'est très, très le fun à voir. Puis les jeunes développent plus de dextérité au niveau moteur, ces choses-là. C'est autre chose que des tablettes, puis des... Fait qu'on développe autre chose. Et Sylvain, peut-être un léger rappel pour les parents qui veulent venir ou les enfants qui veulent venir, c'est où et c'est quand? Est-ce que ça coûte quelque chose ou c'est gratuit? Alors, c'est complètement gratuit. C'est une fois par mois, je vous dirais. Suivez la page Facebook. Si vous avez Facebook, suivez-la. Sinon, sur la page de la bibliothèque, vous pouvez faire les recherches. On a toujours les activités qui sont annoncées. Sinon, à la bibliothèque même, sur les signets qu'on remet, les prochaines activités sont inscrites. Donc, il y a plein de moyens de savoir quand est-ce qu'on fait des activités. Sylvain Brousseau, coordonnateur du Club Lego, merci beaucoup. Merci. Frédéric Gagnon, vous êtes, on m'a dit, le maître constructeur du Club Lego. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il faut penser aux activités. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à quoi construire. Donc, on va avoir un thème différent chaque mois. L'idée, c'est de motiver les jeunes à travailler leur imagination avec un thème à chaque fois. Et c'est vous qui trouvez les thèmes? Ben, fouille un petit peu des idées à droite puis à gauche, puis à partir de là, ben, je conçois moi-même des modèles. L'idée, c'est de penser à imaginer moi-même des choses pour me mettre à la place des jeunes. Puis à partir de là, ben, une fois que je les ai testés, différents modèles, exemple la catapulte, ben là, je sais qu'une guimauve peut être lancée de telle façon ou de telle autre. Ben là, après ça, je suis capable de l'expliquer aux jeunes quand je viens à l'atelier. C'est un peu de la physique, finalement, en même temps. Il y a un peu d'expérience là-dedans. Ouais. Il y a un petit peu d'expérience. Si on fait un exemple, juste le jeu d'un labyrinthe avec une bille, ben là, c'est de comprendre, OK, ben là, je vais travailler avec telle angle, mais là, j'ai la vitesse de la bille, fait que je peux mettre un obstacle à tel endroit, ou au contraire, je vais enlever des obstacles pour que la bille passe tout droit. Donc, il y a un petit peu de défis mathématiques et physiques là-dedans. Et Frédéric, vous faites de l'animation également, vous trouvez les thèmes, vous expliquez aux enfants. J'imagine qu'il faut garder son cœur d'enfant aussi quand on travaille au Club Lego. Bien, je vous mentirais pas que la veille, je me couche tard à finir ça parce que c'est le fun. Mais toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, c'est le fun. Non, c'est ça. C'est, tu commences, tu finis pas. Puis je me rappelle le défi des ponts qu'on a eu il y a un mois. Les adultes autant que les enfants s'amusaient. Et c'était quoi le défi des ponts? Ils devaient construire un pont qui enjambait une rivière selon certaines contraintes. Fait qu'exemple, il y avait les voitures devaient être 2 voitures de large, donc une voiture en sens inverse, sans qu'elle s'accroche, avec des rampes d'accès, et puis d'avoir des gardes de chaque côté pour pas tomber de chaque côté. Fait que là, on donnait ces contraintes-là, puis à partir de là, ben les jeunes construisaient leur pont sur une feuille qui dessinait la rivière en tant que telle. Il y avait des endroits stratégiques, mettons, est-ce qu'on pouvait mettre un pilier central pour déposer sur une île, ou un endroit ce qui était plus étroit pour avoir un meilleur soutien. Fait qu'à partir de là, ben les parents viennent avec les jeunes, les accompagnent, puis eux autres aussi, ils mettent la main à la pâte. Ils s'amusent autant que les enfants. Autant, c'est des fois sinon plus. Parce que des fois, il y en a, tu les regardes aller, tu dis, il me semble, il y aurait un bateau qui passerait en dessous. Puis là, ils partent, tu les as perdus pour une demi-heure de plus. C'est les parents qui sont les plus tannants, finalement. Et là, on voit plein d'enfants, bon, qui mettent la main à la pâte et qui ont beaucoup de plaisir. Oui. Êtes-vous conscient que, possiblement, vous êtes les mentors des futurs architectes de demain, des futurs physiciens, peut-être, qui sait? Bien, c'est toujours... Le Lego, j'ai toujours trouvé que c'était un jeu qui permet de faire réfléchir autrement. Tu sais, je prends un exemple, j'ai un petit garçon qui est capable de monter des meubles IKEA maintenant parce qu'il a tout le temps travaillé avec les plans de Lego. Même avec les instructions en Suisse puis en Suédois. Exact. C'est ça. Il dit, ah, ça va là, ça, je vais organiser ça de telle façon, tu sais. Fait qu'à quelque part, ça va chercher certaines formes d'intelligence. L'imagination aussi. Il y a des jeunes avec qui travaillent les jeux de société, ils se sont dit, ben là, si je mets tel ventilateur à tel endroit, ça transporte ma bille ailleurs, puis de là, je peux continuer un autre tableau. Ou pour me rendre à la fin, il faut que j'aille chercher une carte à tel endroit. Après ça, là, je peux naviguer pour aller ailleurs. Fait que c'est pas que, on va dire, de la logique, c'est aussi du jeu. Fait qu'on va juste sortir les jeunes d'un autre contexte.
On est deux heures, à un moment donné, t'as pas le choix d'imaginer quelque chose. L'idée, c'est de vraiment passer à une autre étape et dire, OK, je me lâche là, ça. Et il y a de plus en plus de jeux vidéo à thématique Lego, des films également. À quel point c'est bon pour le club Lego? Bien, je vous dirais, c'est sûr que les Lego, c'est probablement le jouet le plus en vente à travers le monde. Oui, il y a les films, mais il y a aussi la First Lego League, qui est une ligue de compétition de Lego en robotique, où ils utilisent des EV3, entre autres, qui est un Lego robotisé avec la programmation. Fait que c'est sûr et certain que les Lego, ils ont la cote. T'sais, c'est un jeu qui est... Puis même les parents, souvent, les ont gardés parce que c'est un jeu qui est dur à briser. Fait que là, après ça, ils transfèrent ça à leurs enfants, plus les Lego des enfants. Fait que là, on se ramasse avec plusieurs générations de Lego à faire des choses. Ce qui est bien, c'est quand tu le brises, tu le reconstruis. En plus, il y a toujours de quoi de le fun à faire. Il y a des compétitions qu'on peut s'amuser à faire le véhicule le plus dur, le plus destructeur, n'importe quoi. C'est vraiment le fun. Hey, Frédéric Gagnon, merci beaucoup. Puis je vais vous laisser aller à vos Lego. Oui, on s'amuse. Merci. Merci. Marie-Soleil Brousseau, tu es la fille de Sylvain, le coordonnateur du Club Lego. Tu es ici présentement, on te voit, tu es avec tes amis. Pourquoi tu viens au Club Lego? Bien, je viens parce que c'est le fun. Les Lego, ça laisse parler tout ce qu'on veut. Fait que si, admettons, je veux construire une base navale, bien, avec les Lego, bien, je peux. Puis ça permet comme de passer tout comme mes problèmes un peu. Au travers de choses qu'on peut construire soi-même, puis je trouve ça fun. Les Lego, c'est un peu un moyen pour toi de se défouler, de penser à autre chose aussi. Puis parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Est-ce que t'as déjà une idée dans quel domaine tu veux travailler plus tard? Ben j'aime bien les jeux vidéo, lire aussi, puis j'aime bien écrire, fait que je prévois peut-être être écrivaine. Ou j'aime bien aussi regarder l'espace puis les étoiles, fait que peut-être... Peut-être proche de la NASA un peu aussi. Est-ce que tu sens que le Club Lego, d'être là aujourd'hui, ça t'aide dans ton cheminement, dans ton parcours pour devenir une adolescente, une adulte? Parce que tu as 11 ans, tu es en sixième année, tu vas entrer au secondaire. Sens-tu que faire des Lego ici présentement au Club Lego, ça t'aide dans ta vie? Ben oui, parce que ça permet comme de passer... On peut faire tout ce qu'on veut, fait qu'on peut recréer notre vie avec des Legos, même si on veut. On peut s'imaginer avec des Legos, comme faire une scène ou faire quelque chose qu'on aime. Une fusée, par exemple, si tu travailles pour la NASA. Que je pourrais comme faire un petit bonhomme, faire semblant que c'est moi qui s'en va dans l'espace. Fait que ça permet comme de réaliser des rêves en minimaliste un peu. Réaliser des rêves en minimaliste, c'est très, très beau ça. Hey, je pense qu'on va finir là-dessus, Marie-Soleil. Merci pour l'entrevue, vraiment, c'était très bien. De rien. Comment suis-je arrivé ici? En une nuit ou une vie? Par quel tour, quelle envie? Ai-je raté ma sortie? Je me reconnais à peine. Ici, c'était mon dernier cri. Attends que je me souvienne. Comment j'ai abouti? Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Moulin Marcoux avec nul autre que Dumas. Dumas, comment ça va? Ça va très bien. Excité d'être au Moulin. Ça fait longtemps que je n'ai pas venu, puis c'est une salle que j'adore. C'est pas la première fois que tu viens, là? Non, écoute, je pense que je suis venu la première fois. C'était ma première tournée solo, justement. Je pense que c'était en 2005. Et je suis revenu peut-être à deux ou trois reprises, là, je me souviens pas, mais ça doit faire quand même, écoute, au moins 7-8 ans que je n'étais pas venu. Puis lorsque j'ai monté le show, le nouveau show solo, je pensais vraiment à ces salles-là. Donc, je suis vraiment heureux d'être là parce que ce qui est cool avec cette tournée-là, c'est que le show que je fais, exemple à Montréal ou au Petit Champlain, Québec, avec le décor, tout ça, c'est le même que je fais ici à Pont-Rouge. Tu sais, on traîne le même stock, on l'a fait pour les petites salles. Et c'est le genre de salle, justement, tu me disais ça tantôt, que ça sied bien à ton genre de musique aussi. Pourquoi? Comment ça? Bien, en fait, moi, j'aime ça quand là, je suis solo sur scène, mais il y a une espèce d'intimité ici, veux pas, tu sais, c'est plus... les gens sont proches, tout ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait participer beaucoup le public en show. Puis, il fait chanter,
fais parler peut-être? Oui, absolument, je fais tout. Là. J'ai fait surtout danser, c'est ça mon but. Fait que c'est, je pense que ça va être une belle soirée. Ça fait un an et demi là, que je fais le show, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est comme un terrain de jeu pour moi, ce show-là. Je suis seul sur scène, mais il ne faut pas imaginer que je suis comme tout seul avec un tabouret, puis une bouteille d'eau, puis une guitare acoustique. Là. C'est vraiment, ça vire party. Là. C'est pas un spectacle d'humour après tout, c'est un spectacle de musique. Hein? Et bon, tu fais la promotion de l'album Mes idéaux. Ouais. Je l'ai écouté tantôt intégralement et je suis pas têteux dans la vie, je te le dis, ça vient du cœur, j'ai adoré. Ah, pour vrai, je trouve que la musique est envoûtante, allez écouter ça les gens à la maison. Merci. Je me sentais comme dans un road trip la nuit dans ma voiture. Est-ce que c'était le genre d'état d'esprit que tu étais en composant l'album? Écoute, j'aime ça, c'est bon que tu me dises ça, moi j'aime ça les road trips, j'aime ça quand ma musique évoque. Souvent je vais composer moi la musique en premier avant les paroles, fait que souvent tu sais, je vais choisir, parmi mes démos, j'accumule plein de démos, puis justement ceux qui vont aller vers l'avant, avancer, puis vont m'inspirer les paroles, donc ça me fait plaisir d'entendre ça. J'aime ça quand on me dit qu'on écoute sur la route, il y a quelque chose aussi avec ma musique. Je pense il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans. J'aime ça, je sais pas. J'aime ça aussi, c'est ça, quand que j'aime quand ma musique évoque. T'sais, je veux pas imposer nécessairement le thème. J'aime ça que le monde l'écoute, puis comme ils fassent leur propre histoire ou qu'ils le rattachent à leur vie ou whatever. Ça, c'est tout le temps un beau compliment. Mais écoute, ça fait vraiment plaisir d'aimer ça. Vraiment. Mais je pense que c'est ça aussi le but de la musique, si on laisse l'interprétation aux gens. Ouais. Corrige-moi si je me trompe. Probablement que tu as des chansons que certaines personnes se disent « Ah, c'est peut-être une histoire d'amour hyper heureuse. Ouais. » Il y en a d'autres qui se disent « C'est sûr que ça, c'est de la tristesse. » Est-ce que des fois, les gens ont un peu des avis contraires sur certaines chansons? Oui, bien, je pense que oui. Puis pour moi, ça, c'est important. Ça, garder cette espèce de flou-là. Moi, quand j'écoute de la musique, j'aime ça. Tu sais, souvent, exemple, quand j'étais jeune, j'écoutais... que j'étais ado, j'écoutais de la musique anglophone, je comprenais pas toutes les paroles. Comme quel groupe, par exemple? Ben, écoute, moi, je suis... Le groupe que t'as pas honte, là! Ah non, écoute, c'est pas ça, mais moi, c'est ça, j'écoutais, vraiment, je suis un enfant du grunge, là, j'écoutais... Nirvana, Smashing Pumpkins, etc., les trucs trip-hop aussi, Party Shit, ça, j'ai beaucoup aimé ça, Massive Attack. Puis je me faisais un peu mes propres histoires avec les paroles, tu sais, je comprenais pas toujours ce qu'ils racontaient, puis je trouve ça cool quand que... Bon, moi, je chante en français, mais j'aime ça laisser une espèce de flou, justement, pour que les gens se fassent leur propre histoire. Ça, c'est tout le temps plus le côté évocateur. Tu parles de road trip, côté cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours influencé. Puis le show, justement, que je fais, ça, c'est l'avantage de vieillir, c'est que j'ai accès à un plus large répertoire. Fait que je peux prendre des vieilles chansons, les mélanger avec les nouvelles, puis il y a une espèce d'histoire dans le show. Peut-être les souvenirs de toi ne sont plus que mélodie obsolète. C'est un amalgame de tout ça finalement. Et Mes idéaux, c'est ton 12e opus, c'est ton 12e album. C'est énorme, là. T'es comme notre plume à la traverse à nous autres, là. La différence. La différence entre le Dumas du premier album et celui-ci que j'ai devant moi, c'est quoi la différence? Bonne question. Écoute, je crois qu'en vieillissant, je me suis beaucoup ouvert aux collaborations, entre autres. Comme j'ai co-écrit les textes du dernier disque avec un autre auteur, qui est Jonathan Noir, que j'aime beaucoup. Je suis différent à plusieurs niveaux. Je pense que la plus grosse différence, c'est que j'en profite surtout. Je profite du moment. Je profite du moment d'être, exemple, en tournée ici. J'aime ça quand je suis sur scène. Quand tu es jeune, tu es souvent dans le... OK, c'est quoi le prochain projet? Tu ne sais pas si ça va durer, etc. Et là, je profite du moment. Je me trouve hyper privilégié de faire encore de la musique après toutes ces années. Fait que je dirais que c'est la plus grosse différence, que ça vaut plus le moment.
Puis au niveau de la création, ben, j'ai toujours été assez de m'amuser avec ça, m'amuser avec les shows. C'est quelque chose que j'aime, écrire, composer. Fait que ça, j'ai pas trop changé, mais j'essaie justement de rester un peu cette personne-là à 20 ans, plus spontanée, tout ça. Parce qu'en vieillissant, souvent, on développe des peurs, on est plus rigide, tout ça. Fait que j'essaie de garder... Par exemple, c'est quoi tes peurs? Là, je prends la balle au bon, c'est quoi tes peurs? Ben, je sais pas, tu te mets à trop réfléchir quand t'écris, tu dis « Ah, j'ai tu déjà dit ça ou tu sais j'ai dit tandis quand t'es jeune je trouve que t'es tu sais une espèce de folie puis une spontanéité qui vient avec la jeunesse pour ça puis souvent j'écoute des j'aime ça les artistes de les premiers disques souvent des artistes parce qu'il y a de quoi de beau souvent d'imparfait mais de quelque chose d'instinctif puis des fois en vieillissant je trouve que c'est dangereux de perdre ça pour plusieurs raisons. Des fois, pour c'est justement, comme je te disais, une espèce de tu deviens plus insécure ou tu as moins cette énergie-là, mais j'essaie de moi de garder ça, en tout cas. C'était clair. On a compris, il faut profiter du moment présent. Du moins, il vous le dit quand même. Que, écoute, parce que oui, aussi. Je livre, là, aujourd'hui, à la télévision, comme à votre télévision. De... Et Dumas, c'est la troisième fois que tu dis « en vieillissant ». Ouais. C'est pas un addon, parce que la semaine prochaine, c'est ton... 40e anniversaire! Ouch! Mais t'as l'air plus jeune! T'es au courant? Je suis au courant, on a fait nos recherches. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour tes 40 ans? Ah, écoute, comme je disais tantôt, je me trouve privilégié de faire des spectacles comme ça, de faire de la musique. Quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais comme, hey, 30 ans, je trouvais ça loin. Je pensais pas, je vais-tu faire de la musique encore à 30 ans? Je trouvais ça. Fait que là, d'être là encore à 40, c'est un grand cadeau. Donc, je me souhaitais que ça continue, puis surtout que j'en profite. Je pense que j'ai encore plusieurs projets en tête. J'espère que la création va me porter encore quelques années. Je me trouve très privilégié. Tu as parlé de projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur le prochain projet après la tournée? C'est une bonne question. Non, c'est ça. C'est que. En vieillissant, c'est la plus grosse différence aussi. Je laisse les trucs plus arriver. Tu sais, j'écris toujours un peu, mais je ne sais pas si je vais me précipiter sur un nouvel album l'année prochaine ou tu sais, je vais attendre. Ou je sais pas. Il y a tellement de possibilités aussi à cette heure de façon de sortir la musique. Donc, j'ai pas statué là-dessus. Je ne sais pas. Je vais me laisser. Je vais finir la tournée en décembre. Après ça, je vais voir ce que ça va m'inspirer. Une chose est sûre, par contre, c'est que. La tournée solo comme ça faisait peut-être 13 ans que j'avais pas tourné en solo comme ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que j'étais au début des possibilités que je pourrais faire avec mon setup. Donc il y aura sûrement une autre tournée solo avec de la nouvelle musique dans les prochaines années, mais je sais pas quand. Et l'urgence de retourner en solo, j'imagine, parce qu'on vient de s'en parler, c'est parce que tu aimerais ça être seul avec le public, j'imagine. Tu as une certaine connexion rendue à ce niveau-là dans ta carrière. C'est quand tu es solo sur scène. Même pour les gens qui te regardent, il y a une autre écoute, c'est un autre contact. Puis moi, je l'avais pas refait parce que j'avais peur. T'sais, on parlait de peur, là, de monter seul sur scène. On dirait que j'étais... Ça te terrifie un peu. J'étais jeune, un peu fou, puis là, ça avait bien été, mais j'étais comme en sécurité avec des musiciens. T'sais. Puis je me suis un peu lancé sans filet, puis à partir des premiers spectacles, je me suis dit « Ah oui, ce feeling-là d'être vraiment en contact avec les gens, d'avoir contrôle sur toutes les dynamiques aussi. Donc, selon la foule, selon l'énergie, tu peux vraiment modifier le show rapidement, tu sais, contrairement à quand tu es avec plusieurs musiciens. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre de ça. Puis je trouve que c'est dans l'air du temps aussi, avec toutes les technologies qu'on a, tu sais, il y a plein de possibilités pour les shows solo. Donc, c'est un peu ça que je fais là, ce soir. Vous allez voir, là, c'est un beau terrain de jeu. Finalement, on peut dire que tu y vas au gré des saisons, si tu poussais la note un peu, ça. Exact, parfait, ça. Dis-moi, merci beaucoup, mon ami. Merci, vraiment. À la prochaine. Cool, merci. Bon succès.